Pour créer un compte professionnel sur Instagram, rendez-vous directement sur l'application mobile. Ce n'est pas possible de le faire sur le site internet instagram.com. Ici, je suis sur mon profil avec une photo, comme tout le monde. Et en fait, c'est très simple. Il suffit d'avoir un profil personnel. On commence toujours en créant un profil personnel sur Instagram pour ensuite accéder à un profil professionnel. Tout ça parce qu'en fait, le profil professionnel n'ajoute que des options de statistiques et débloque les options de promotion des publications, en clair, utiliser la publicité. Et en fait, tout le monde peut passer un compte professionnel d'un coup. Vous pouvez le faire si ça vous amuse pour voir les statistiques, mais c'est très utile, surtout pour les marques. Donc, vous allez sur votre profil, ici, donc je suis sur Android, mais c'est à peu près la même chose sur l'iPhone et sur les autres téléphones mobiles. Vous cliquez en haut à droite sur les trois barres, le petit menu. Vous allez ensuite en bas dans paramètres. Vous accédez donc aux différentes parties de paramètres. Vous allez dans compte, qui se trouve ici, le troisième en partant du bas. Et tout en bas, ici en bleu, vous voyez que vous avez l'option passer à un compte soit professionnel. Et moi, étant déjà en compte professionnel, je peux choisir de revenir à un compte personnel. Mais il y a également l'option compte créateur, qui est une autre forme de compte professionnel pour ceux donc qui créent les vidéos comme moi. Et cette option est nouvelle. Donc dans mon cas qui est un compte professionnel, je vais passer à un compte créateur. Je clique dessus. Comme pour les pages Facebook, il demande tout de suite quel type en fait de compte professionnel vous êtes. Dans mon cas, je fais des vidéos, on va dire créateur de vidéos. On peut choisir d'afficher ou non la catégorie sur le profil. Et en cliquant sur terminer, c'est fait. Sachant que vous pouvez lier du coup votre compte professionnel avec votre page Facebook et non votre profil personnel, la page Facebook qui concerne la partie professionnelle, puisque Facebook et Instagram sont liés, puisque Facebook a racheté Instagram. Si je choisis moi de modifier mon profil, je vois que j'ai plusieurs options qui s'offrent à moi. La page donc, comme je viens de le dire, pour lier à Facebook. La catégorie, on vient de le faire. L'option de communication, c'est ce qui va s'afficher sur mon profil. Le bouton d'action, c'est le bouton qui sera affiché sur mon profil lorsque les gens le visiteront. Sauf que là, je n'ai pas utilité de ces trois boutons. Et sur le profil, en fait, on peut sélectionner d'afficher ou non la catégorie et les coordonnées. Pour ma part, je n'ai pas d'utilité de recevoir d'adresse mail directement sur Instagram, mais je peux afficher la catégorie. On clique sur valider en haut à droite et c'est fait. J'ai maintenant une page professionnelle de créateur. C'est tout. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Vérifiez bien avant qu'il n'y ait pas une autre vidéo qui a pu répondre à votre question. Cette vidéo fait partie d'un ensemble de vidéos d'une formation qui est disponible soit dans une playlist sur ma chaîne YouTube, soit sur le site web que je vous mets en description dans la vidéo. Si ça vous a été utile, mettez un like et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À bientôt.